Yo tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve aujourd'hui en vidéo accompagné à ma gauche du frérot Daimao. Comment vas-tu? Très bien, toi Sofiane? Bah écoute, je vais très très bien. Et bien évidemment à ma droite, le frérot Lone le Mal. Comment vas-tu? Ça va super bien, trop content, Sparking Zero. Sparking Zero, bah oui les amis, parce que vous le voyez, on est à la Gamescom et on a pu tester la nouvelle démo du jeu Dragon Ball Sparking Zero. On rappelle au cas où, si tu sors d'une grotte, tu t'en souviens pas, le jeu sort en Early Access, donc 3 jours anticipés le 8 octobre, et pour tout le monde le 11 octobre. Alors moi, vous aviez déjà mon avis, parce que j'avais déjà testé la démo au Japon à la Jump Victory Carnival, sauf que aujourd'hui à la Gamescom, c'était une toute nouvelle démo. Je vais vous donner également mes impressions, mais on va d'abord commencer par toi Daimao, parce que c'était la première fois que tu jouais. T'en as pensé quoi? Alors vraiment les gars, le jeu, il est incroyable. Vous fiez pas à toutes les petites erreurs qu'on a pu voir répertoriées sur Twitter, les critiques graphiques et tout et tout. Faites pas attention à une capture d'écran sur un arrêt sur image. C'est beau, c'est magnifique. Maintenant le gameplay, ultra fluide. Il n'y a pas de temps de chargement. Tu prends tes persos, t'appuies, ils se présentent, ça joue directement dans l'arène. Vraiment, je suis très content, très satisfait du jeu. J'espérais pas aussi bien, en vrai. Donc là, vivement qu'il sorte. Vous serez pas déçus, vraiment. C'est fluide, c'est fun. On retrouve quelques sensations des anciens Tenkaichi, même si ça fait vieux. Pour moi, j'ai pas joué depuis la PlayStation 2. Mais le timing est différent. La fluidité est beaucoup mieux. Et ce sera pas exactement pareil niveau gameplay. Ici, c'est plus rapide, plus nerveux, je dirais. Donc vraiment, le jeu, top, top. Ok, avis très complet hein, du frérot Daimao. Et du coup, bah toi, Lone le Mal, vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé. Alors, bah moi, je rejoins Daimao, pareil. Je vais rajouter que j'ai bien aimé le fait que les personnages plus faibles ont une dynamique différente et plus ralentie par rapport aux personnages plus puissants. Donc, par exemple, si tu prends Kid Buu, bah là, c'est une fusée. Il déchire. J'ai bien aimé les nuances, les graphismes incroyables, la qualité elle est incroyable. C'est vrai que quand on regarde les vidéos sur YouTube par rapport au gameplay sur Twitter et quand tu joues en face à la Gamescom, c'est vrai que c'est pas pareil. Donc plutôt surpris de ce côté-là. Et pour avoir joué à Budokai Tenkaichi 3 avant de venir, c'est vrai que c'est quand même différent au niveau des timings, des combos. Voilà, si on reprend le même Goku, c'est pas totalement pareil. Faut s'adapter chaque personnage à son rythme. Et il faut voilà, s'adapter à la cadence des combos, etc., etc. Donc franchement, non, c'est top, incroyable. Eh ben, ça, c'est vraiment une parenthèse incroyable que tu viens de dire. Parce que beaucoup de personnes, quand j'étais au Japon, m'ont dit « Soso, t'as joué à Tenkaichi 3 avant d'aller au Japon, pourquoi tu n'as pas refait les mêmes combos qu'on t'a appris lors de ton live ?» Et puis d'ailleurs, j'avais joué avec toi, Lone le Mal. Alors, je vous l'avais dit, parce que le timing n'est pas le même. Et là maintenant, Daimao et Lone s'en sont rendus compte. Je vous l'ai dit en fait, quand vous êtes en forme de base, plus tu vas te transformer, plus le personnage va frapper un peu plus fort bien évidemment, mais va également accélérer au niveau de sa mécanique de gameplay. Et forcément, le timing au niveau des touches, c'est pas la même chose. Ce qui veut dire que ton combo, tu peux le rater. Donc, comme il l'a dit Lone, il va y avoir un rythme. Il va falloir apprendre bien comme il faut également les mécaniques de chaque transformation de ton personnage. Et en soi, je trouve ça vraiment bien. Parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner. Tu trouves ça bien aussi, je pense? Ah ouais, incroyable. Mais franchement, ouais, ils ont bien, plutôt bien repensé ça. Parce que c'est vrai que sur Budokai Tenkaichi 3, on n'avait pas cette sensation de jouer Barta et de passer à un autre personnage. Tu sens vraiment qu'il y a vraiment une différence de rythme. C'est vraiment ça qui m'a marqué le plus. Et non, franchement, c'est top. Pour toi aussi, Daimao, t'as kiffé du coup le fait d'avoir des mécaniques où le rythme est différent en fonction des transformations? Oui, franchement, c'était top parce que on sent en fonction du personnage, il est plus puissant ou plus lent, plus rapide, moins de dégâts dans les combos. Et petite anecdote sympa, par exemple, j'ai joué avec le jeu là en version japonaise, puis j'ai changé d'écran ici à la Gamescom. J'avais le jeu en version anglaise. Et celle, par exemple, quand tu fais pas le bon timing pour esquiver, et ben, il te dit too slow. C'est des petites touches vraiment sympathiques. Et pareil pour le Freezer, il te disait. Ah, le Freezer, il m'a dit what the. Voilà, c'est bon. Voilà, il a dit ça. Voilà, vous avez capté. Donc, ça, c'est des petites touches vraiment
sympathique. Les gars, on est tous d'accord. On attend le 8 octobre, ça va signer le jeu. Clairement. Voilà. Franchement, les gars, vous n'allez pas être déçus. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sofiane, par rapport à l'anecdote que je viens d'expliquer. Dans ces cas-là, on se dit, c'est dommage qu'on n'a pas une VF pour avoir des répliques qui nous parlent. Voilà. La VA, version anglaise. On oublie, elle n'existe pas, la VA. VO, laissez YouJap, ok. Mais j'avoue, une petite VF, ça aurait été sympa. Toi aussi, tu aurais kiffé, Lone, une VF? Bah ouais, clairement, bah, j'ai milité. Hein. J'ai milité sur Twitter pour une VF. Et moi donc? Ouais, malheureusement, on a eu un retour négatif. Bon, tant pis. Naruto aura mérité plus que Dragon Ball. C'est ça. Je pense que voilà, après, bah, c'est les développeurs, c'est Bandai Namco au Japon, etc. Ils n'ont pas trouvé judicieux d'inclure une VF dans le jeu, du moins au départ. Est-ce que dans quelques mois, quelques années, peut-être on aura un DLC VF, je ne sais pas. Ouais. Mais les gars, on compte sur les modeurs version PC, ils vont nous faire des masterclass. On va s'amuser. On compte sur vous. On compte sur vous, les modeurs. Donc voilà. Alors maintenant, les gars, c'est simple. On a joué dans cette nouvelle démo. Il y avait du Kid Buu, il y avait du Buu Tanks, du Buuan, il y avait du Végéto, il y avait l'Ultimate Gohan, il y avait le Gohan SSJ2. On avait vraiment beaucoup de personnages qu'on n'avait pas pu tester ou du moins voir le gameplay auparavant dans d'autres personnes qui jouaient, qui avaient testé cette démo. Donc on a été quand même privilégié le fait de jouer à ça. Vous retenez quel personnage? Moi je vous le dis, Kid Buu les gars, il va vous en faire baver je pense. Il est incroyable. Ah non mais Kid Buu c'est une mitraillette. Mais vraiment, Végéto, quand tu le passes en super Végéto, il suit pas mal aussi. Mais quand le perso il est rapide, il est rapide quoi. Faut suivre. Voilà. Et pour toi Daima? Moi j'ai un kiff depuis toujours sur les Tenkaichi Budokai, les Budokai. Ultimate Gohan les gars. Ah. Vous n'êtes pas prêts. Et Gohan SSJ2, l'ulti, ouais. Oh là 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 là, elle fait très très mal, c'est violent, c'est super beau. Donc Ultimate Gohan, Kid Buu, Super Végéto, Kid Buu également. Voilà, vous voyez, c'est bien parce que en fait, on a chacun nos préférences et c'est vrai que je pense que vous allez vous en rendre compte, la rapidité est incroyable. Dis-moi, je pourrais rajouter aussi, on a essayé de jouer des personnages un peu moins populaires comme Spopovich. Et j'ai testé Spopovich, Rikoum, etc. Et franchement, c'est des persos que sur BT3, on avait tendance à laisser de côté. Et moi, je pense que là, sur ce Sparking Zero, on va vraiment pouvoir... ça va vraiment être intéressant de les jouer et de faire des équipes avec, s'affronter, etc. Comparé au Végéto, Gogeta, qu'on prend d'habitude. C'est ça c'est très intéressant parce que moi aussi c'est pareil, j'ai testé Mr. Satan, j'ai même testé Ginyu, donc je trouve ça vraiment très intéressant. On n'oublie pas, il y a un mode de jeu, le 5v5, avec des équipes entre guillemets équilibrées, où tu vas avoir un système de points. Donc tu pourras inclure Spopovich, tu pourras inclure Mr. Satan, tu pourras inclure également un Gogeta, et ton adversaire devra faire la même chose, des persos plus faibles et plus forts, et ensuite voilà, on partira au combat. On nous avait pas parlé d'attaques combinées aussi? Oui, il y avait des attaques combinées, exactement. C'est Aman avec... Avec Videl, Bata et Jis. Donc à mon avis, le fait de les avoir dans l'équipe, ça va créer des synergies, je pense. Ouais, ça c'est possible. On avait pu voir aussi Beerus et Whis. Beerus et Whis, ouais. Sur le dernier trailer de la Gamescom, d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Dernier trailer. Donc voilà les amis, franchement, on est hype de fou. Personnellement, j'ai testé standard, classique, etc., semi-auto. Je préfère jouer en classique et semi-auto. Là, j'ai vraiment tout testé et j'avoue que classique, semi-auto, ça a été ma préférence. Vous, du coup? J'ai tout mis en classique, comme sur BT3. Moi, de mon côté, sincèrement, je suis arrivé, je voulais jouer un maximum, j'ai laissé comme c'était paramétré. En standard, il a joué en standard, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Standard, et j'ai cru voir semi-automatique aussi, voilà, donc ça m'a pas dérangé. Voilà. Donc franchement, après à faire les tests personnellement quand vous jouerez les gars. Bah vous voyez, on a joué chacun avec des touches différentes et on a tous les trois kiffé. Donc ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Donc voilà, on va se quitter là-dessus les amis. Max de pouces bleu au mode Genkidama comme d'habitude. Merci à Daimao et merci à Lone pour cette réaction à la suite de cette nouvelle démo. Avec grand plaisir les frérots, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller dans la description. Vous retrouverez les chaînes de Daimao et de Lone le mal. Et comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se quitte et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, c'est Goku! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek! Kamiya!